Le rendez-vous est donné pour le 8 janvier. TF1 a mis en place sa toute première matinale, simplement intitulée Bonjour, avec Bruce Toussaint aux commandes. Ainsi, le journaliste quitte BFM TV après 5 ans de bons et loyaux services pour rejoindre la première chaîne. Le programme ? Chaque jour, de 7h30 à 9h, il commentera l'actualité avec son équipe de chroniqueurs, composée entre autres de Maude Descamps, Vincent Valenduc, Benjamin Muller, Christophe Beaugrand, Karima Charny ou encore Laurent Mariotte. Un projet sur lequel TF1 mise gros, puisque la chaîne aurait débloqué pas moins de 10 millions d'euros d'investissement annuel pour cette matinale selon Télérama. Reste à espérer que le public soit au rendez-vous. Pour rappel, la mise en place de cette matinale a pour but de concurrencer celle de France 2, Télématin, qui prospère depuis plusieurs années. Bruce Toussaint pas le premier choix de TF1. Si Bruce Toussaint se réjouit de son arrivée sur TF1, le journaliste n'était vraisemblablement pas le premier choix de la chaîne, selon les informations de Télérama. En effet, il semblerait qu'une animatrice bien connue du public avait les faveurs de la direction. Après avoir songé à Anne-Elisabeth Lemoine, présentatrice de C'est à vous sur France 5, pour prendre les commandes de Bonjour, TF1 a finalement shippé Bruce Toussaint à BFM TV, indique le média. Babette, elle, compte bien rester à la tête de C'est à vous encore quelques années, comme elle l'a assuré il y a peu dans les pages de Satellite Fact. Just need something.